Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Starview, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du trailer de Farming Simulator 17, le numéro 2, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien les amis, je suis accompagné de Mario Link, salut à toi. Salut à toi, salut tout le monde. Ah, je croyais que t'allais pas me répondre. Donc du coup j'espère que vous allez bien. Il y a le trailer de Farming Simulator 17 qui est sorti dans le trailer numéro 2 comme je voulais vous le dire. Donc on a vu quelques nouvelles nouveautés, je vais vous dire tout ça, tout ce que j'en pense, c'est vraiment pas mal. C'est mieux que le trailer d'avant, le trailer numéro 1 était un peu moins bien. Mais là franchement ça me donne vraiment envie de l'acheter le jeu et tout. Enfin voilà, donc on va analyser tout ça et puis donc c'est parti. Donc déjà PEGI 3, très bien, ça a pas changé. Donc là on avance, ok, donc là c'est le début. On voit bien sûr, on voit le paysage, ça a pas changé, enfin après voilà. Bon, j'en avais déjà parlé, donc ceux qui n'ont pas vu ma vidéo pour aller la voir, hein, c'est dans la playlist de cette vidéo. C'est le truc pour quand j'ai analysé le trailer numéro 1, voilà. Donc alors du coup on voit le comment ça s'appelle, c'est pour faire manger les poules là. Bah, le mangeur quoi, le mangeur à poules, voilà. Ouais, bah. Je sais pas si on devra aller nous-mêmes aller le mettre, enfin aller le remplir quoi, parce que je sais qu'on a une fonctionnalité pour avec la main quoi, qu'on peut bouger, enfin bref voilà. Ensuite niveau des poules, ok, donc là on voit le Massey Ferguson, je sais plus le modèle, sur 37 000 et quelques je crois. Avec une jeu de skin Betty Max, donc une bétaillère pour cochons, enfin pour cochons porc, voilà. Donc vous allez voir. Animaux, quoi. Ouais, pour les animaux quoi. Ensuite, donc là on voit. Oh, franchement, le paysage est pas mal. Hein. Attends, je vais faire un petit retour. Yep, voilà. Ici, là, regardez le paysage, franchement, c'est pas mal. On voit en arrière-plan des petites montagnes et tout. Les deux drapeaux américains. Donc là, je crois que c'est là où c'est qu'il va chercher ses cochons, quoi. Ou ses porcs. Regardez les éclairages, tellement c'est bien fait, quoi. Enfin, dire, c'est. Ça pourrait être juste un rond blanc autour quoi en fait. Mais non, en fait c'est... Désolé, il y a du bruit chez moi. Mais en fait non, il y a une sorte de petit éclat autour. Enfin c'est ça qui fait que le jeu est beau quoi. Il y a les reflets aussi sur le dessus du capot et tout. Les reflets des ombres ici. C'est vraiment magnifique. Après au niveau du pare-brise aussi c'est bien fait. Donc rien à dire. Voilà. Donc ensuite, donc là il va charger ses porches quoi. Donc voilà, c'est le Massey Ferguson 7526. Avec une jet skin Betty Max RDS 7500. Donc on peut mettre jusqu'à 9 cochons dedans, ce qui est relativement bien je pense, voilà. Après au niveau des détails de l'avant c'est pas mal je trouve, enfin, c'est assez bien fait. Donc bah, pour l'instant rien à dire, voilà. Alors on avance. Ouais, pareil niveau des ombres, c'est tellement bien fait les ombres. Hop, donc là il s'en va, hop hop. Donc, là, en fait il y a une des nouveautés pour les animaux, je pense qu'on va les acheter par exemple au concessionnaire, ouais. Et on va devoir la bétaillère les transférer jusqu'au ouais c'est ça, mais je crois que c'est ça ouais, jusqu'à la ferme un quoi. Truc comme ça, enfin jusqu'à notre porcherie quoi. Enfin voilà, truc comme ça, ouais voilà, ouais ouais, ok, ouais c'est ça, ouais, je savais ouais. Donc pour ceux qui ne savaient pas les amis, voilà. Donc alors du coup donc là il y a plusieurs types de cochons, il y a des noirs, des roses et des quoi, c'est des beiges avec des taches noires, je connais, désolé si je connais pas le nom des cochons, donc voilà. Donc là hop, et donc une fois qu'il a chargé ses cochons, il va les amener je pense bah, à la chez lui quoi. Alors j'ai remarqué un truc les amis, regardez sur le tableau de bord du Massé quand il est à l'intérieur, regardez tous les voyants sont allumés. Alors je sais pas si parce que le jeu est en bêta il n'est pas encore sorti, mais c'est vraiment dommage, j'espère qu'il y aura pas ça sur le jeu, parce que là t'en es où là, j'en suis à 32 secondes quand il est à l'intérieur du Massé avec la bétaillère. On voit le tableau de bord, okay. Et tous les voyants sont allumés, c'est vraiment... Bah, c'est bizarre quoi, j'espère que ça aura pas ça dans le jeu parce que ah ouais. Ça sera moche quoi, voilà. Donc alors, bah, après niveau intérieur ça a pas changé, niveau affichage d'ici ça a pas changé. Donc c'est vrai que c'est... Ce serait bien qu'il y ait pas ça dans le jeu final quoi. Donc alors, on avance un petit peu. Donc après niveau intérieur ça va, franchement les rétros sont assez bien faits. Bon après ça on voit pas très bien, c'est un petit peu flou, mais normalement les rétros sont assez bien faits. Ici on voit des... c'est des moutons ouais, je crois que c'était moutons. Bah oui. Ouais, des moutons, donc je sais pas si ce sera à nous de les tondre et tout, ça peut être cool quoi, ou si c'est automatique, je pense que c'est automatique, hein. C'est peut-être vrai qu'ils aient mis cette fonction là, mais bon, s'ils mettent, c'est cool, voilà. Donc on avance encore un petit peu, donc là il a mis la bâche, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a la bâche, il y a le tournesol en arrière-plan, il y a des collines en arrière-plan, bah pour l'instant rien à dire, ici, à ce qui paraît on peut mettre du poids dans les roues, donc selon que le truc ici c'est le poids des roues. Enfin voilà, ensuite, alors on avance. Bah donc là, bah ouais, il y a rien à dire, il y a la bâche et tout. Donc regardez. Alors là les amis, c'est vraiment le moment que qui m'a donné vraiment envie de découvrir ce jeu quoi. Alors regarde, donc là,
Ils reculent donc pour décharger les porcs. Enfin, cochons ou porcs, ouais, c'est des bons animaux. Bah voilà. Du coup, ils reculent. Et là, regardez quand il y a la lumière qui se reflète sur la bétaillère. C'est tellement stylé. Et regardez les giros. Regardez un petit peu les giros, comment ça fait. Bah, donc regardez les giros quand ils tournent, comment c'est. On voit le reflet. Attends, je vais remontrer si vous n'avez pas vu. Mais on voit le reflet des giros. Regardez là, hop, hop, hop. Il n'y avait pas ça du tout sur Farming 2015. C'était pas du tout comme ça. Mais franchement, c'est tellement stylé. C'est tellement beau. Ils ont vraiment amélioré. C'est vraiment cool ça. Je sais pas si t'as vu Mario. Ouais, si, Ouais, je mais vois. c'est ouais, mais c'est trop, trop stylé quoi. Donc, alors ensuite, donc là il va décharger les cochons. Voilà. Après, c'est mal fait par contre. Hein. Qu'ils disparaissent comme ça. Ils auraient peut-être de faire une animation qui descende carrément. Qui marche pour aller dans l'enclos, un truc comme ça. Mais enfin, je sais que dans les maps, c'est que vous avez mis des cochons. Les animaux, ils pouvaient se déplacer comme ça quoi. Alors que là, bah, je sais pas, ils despawnent de la bétaillère. C'est moyen, je trouve. Hein. Mais bon, après, c'est comme ça. Donc là, ok, Après, donc. c'est quand c'est Oui, pas c'est qu'un l'intro trailer, final. c'est comme bêta, c'est qu'une bêta, donc après ça peut s'améliorer, mais bon, faut pas non plus rêver, dans 2 mois ils vont pas faire non plus. Non, même pas, il reste à peine un Ok. mois. S'il reste. On est le 4, 4 septembre. Enfin bref, il reste 1 mois et demi à peu près. Enfin ouais, 2 mois. Donc là il spawn dans l'enclos quoi. Ouais, donc l'animation des cochons sont pas si mal faites. Ici, alors là, nouveau modèle de tracteur. Donc on avait les T4, T5, T6, T7 et... Ah oui, je crois que c'est ça. Hein. Et là on a le T5 maintenant. Le T520. Voilà, donc nouveau gamme de tracteurs, nouvelle gamme de tracteurs, franchement. J'ai regardé, ils sont tellement stylés ce tracteur, mais pff, ils ont vraiment bien fait d'ajouter ça. C'était... Parce qu'en vrai, le tracteur qu'on avait, c'était un T... Le T... Un T... Il y avait T4, T6 et T9, T4, c'était T8. vraiment petit. Et T6, c'était un poil trop gros, je trouve. Ça dépend pourquoi ce qu'on voulait faire, mais T5 je trouve que c'est le bon modèle quoi. Donc voilà. Et donc là il a un truc pour remplir l'eau quoi, d'un 7300 litres. Niveau cabine, regarde, elle est bien faite. Je trouve qu'il y a le petit logo New Holland. Les gyros, bon ça n'a pas changé. Enfin c'est quand même stylé. Donc là, ah l'animation quand il marche. L'animation quand il marche a été changée. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment stylé. C'est pas bah, le vieux truc normal quoi. Ça a un petit peu changé. Après l'animation, enfin le tracteur est assez bien fait, je trouve. Enfin, le niveau, les pneus, tout ça. Le pot est assez bizarre comment c'est fait le pot, je trouve. Et Mais ouais. alors je sais pas où c'est que tu en es, mais quand tu seras au niveau de quand il remplit sa queue, Oui, vois les j'ai roues. vu, j'ai vu. T'inquiète pas, je vais le dire. Donc alors, du coup là, D'accord. il avance, il avance. Donc là, il va s'arrêter pour remplir. Alors là, regardez, regardez ça. Ce truc là, la tonne à eau, regardez, elle descend. Quand on remplit, elle descend. C'est tellement bien fait ça. Franchement, c'est la physique de farming quoi. Elle a été améliorée. Avant qu'on remplissait, ça le faisait, mais ça faisait ça, mais sur les trucs qu'on portait, pas sur les trucs qui roulaient. Là maintenant, les trucs qui roulent sont aussi. Oh là, pardon, se baissent avec le poids de l'eau quoi, tout simplement. Enfin, avec le poids qu'on lui met dedans quoi. Donc, franchement, c'est bien fait. Alors, au niveau intérieur, regardez, c'est bien fait aussi. On a bon, un petit poste, on a l'écran de GPS, on a plusieurs rétros et tout, donc c'est pas mal. Voilà, donc là, il vide l'eau. Bon, toujours l'animation normale. Hein. La texture de l'eau a un petit peu changé, c'est un petit peu mieux, je trouve. Donc voilà, c'est un petit point Aussi, c'est plus positif. officiel quoi. Parce De quoi? que c'était pas prévu à la base de donner de l'eau. Eh ben Le premier avant. opus de farming qui fait que. Ah ben si, on pouvait mettre de Non, l'eau après, avant. avant, oui, mais parce que c'était des Ouais, mods. c'est vrai, c'était des modes avant, on pouvait pas mettre de l'eau comme ça, je C'est crois. pour ça, là, c'est officiel. Ah, si, dans les poules, on devait mettre de l'eau. Ah, si. Si, il me semble que dans les C'est des poules, mods, ça. il y avait du maïs. Peut-être, ouais. Ah, je sais Non, pas. l'eau, elle servait juste pour les serres. Ah, ouais, peut-être, ouais, ok. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas de texture d'eau. Ok, donc là, c'est vraiment les textures est mieux faites. Et donc, ensuite, on avance. Donc là, on passe au Valtra. Le Valtra T234 avec une remorque. Regardez comment c'est bien fait, tellement. La cabine. Enfin. Ça pourrait être, genre la vitre, elle pourrait être soit complètement opaque, elle est transparente, mais pas trop, enfin elle est bien faite quoi. Donc là, ça va. Niveau prise de force et tout à l'avant, enfin c'est bien fait. Il n'y a pas non plus tous les détails, évidemment, la prise de force n'est pas lisse, hein. Il y a des petits, pas des pignons, mais enfin voilà, c'est pour accrocher, mais bon. Voilà. Donc là, bien sûr, hein, pour ceux qui ne savent pas, on peut accrocher les ballots avec des sangles, voilà. Donc on s'approche devant et hop, là, accrocher. Et en fait, les sangles s'adaptent à. Pour ceux qui ne savent pas, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, vous pouvez aller la voir. Les sangles s'adaptent à. Bah,
au terrain, quoi, on va dire, des bottes, quoi. En gros, si la botte est tordue, la sangle va être tordue, quoi, en fait. Voilà. Donc là, hop, il monte. Par contre, je sais pas si ça va se faire tout le temps, dès qu'on monte dans un véhicule, qu'il y a écrit, en fait, le nom du... le modèle, en fait. Valtra Pour T-Series, enfin. moi, ce sera au joueur de désactiver s'il veut pas ou l'activer en Je sais pas fait. si on peut On nous désactiver laisse ça. le choix. Possible, ouais. En tout cas, regardez sur la map, le PDA, c'est tous les points qu'il y a. En fait, les points, je sais pas si on voit les véhicules ou si on voit les joueurs. Je pense que c'est possible qu'on voit les Pour moi, ouais, véhicules. c'est les véhicules. Genre peut-être Comme sur les versions portables de farming. ouais, peut-être les points verts, c'est les semoirs, enfin tout ça quoi, enfin voilà. C'est possible que ce soit ça en Ouais, parce fait. que sur les versions portables de farming, en fait, c'est comme ça. Ouais, possible. Ouais, bon qu'on avance. Alors. Donc là, il y aura en fait, on peut mettre n'importe quel bot. Genre, on peut mettre des. Genre, si on la met couchée, la sangle sera adaptée. Enfin, tout est bien adapté. C'est bien fait, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit. Ah, c'est bien. Là aussi, franchement, c'est bien fait. Bon, on pouvait s'attendre à un truc mieux. Mais, franchement, bah, je suis pas déçu, quoi. Parce qu'avant, on avait que. Bah, y avait que les vaches normales, quoi, qu'on a en Farming 15. Hein. Il y avait que les vaches noires et blanches, je crois. Il me semble. Là, on a, y a des. Désolé, encore une fois, je connais pas le nom des vaches. Mais le modèle des vaches, non, le nom des vaches. Donc, bah, y a plusieurs variétés de vaches, donc c'est cool ça. Voilà. Après, niveau animation, j'ai l'impression qu'elles sont bien faites. Donc, maintenant, ça a changé. Ouais, je sais pas si vous avez vu. Ce n'est plus des coons comme auto-chargeuse, comme mélangeuse, c'est une Silo King maintenant. Alors, franchement, elle est vraiment bien détaillée, je trouve. Hein. On voit les petits boulons et tout devant. On voit. Bah, c'est bien fait, je trouve. Elle est vraiment bien faite. Donc hop, on avance. Avec la nouvelle marque, c'est le JCB. Donc ça sera inclus dans le jeu maintenant. Et donc c'est une sorte de fourche. Mais ça c'est bizarre parce qu'il y a une seule fourche en fait. Donc Bah ouais, c'est ça. C'est comme ça en vrai aussi. ouais, j'avais jamais vu en Il y en a fait. deux petites en bas et une grosse en haut. Ouais. Je trouve que c'est. Ouais, voilà, je trouve que c'est quand même bien fait. On a le petit rétro à l'arrière. La vue intérieure est bien faite. Je sais pas si les cadrans bougent. Je crois pas qu'ils bougent. Hein. Quand ils bougent. Fait enfin, quand ils se déplacent, je sais pas si les aiguilles bougent à la vue intérieure, enfin je sais pas, ça sera ça plus tard. Donc là hop, il bouge, il lève. Et en fait ouais, niveau animation c'est bien fait. Et là bon, je suis un petit peu déçu, mais bon, faut pas s'étonner. Regardez hop, ça dépop direct. Mais bon, c'est pas grave, fallait pas non plus s'attendre à que le truc. Enfin, franchement, si quelqu'un sort un mode et que on voit que ça se broie, enfin ça se détruit avec le temps quand ça va dans la mélangeuse, ça serait tellement stylé. Mais franchement là. Ce serait vraiment un putain de point négatif. Je dis putain, mais là, ce serait vraiment cool, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais qu'on voyait que ça se fait, la Ouais. boîte se fait broyer, ça serait vraiment bien. Mais bon, après, bien sûr, ça, je pense que c'est vraiment beaucoup de travail à faire. Hein, mais bon, ça peut être possible, je pense. Donc là, hop, il met le truc de la mélangeuse. Il vide ça. Ok, bon, en fait, la mélangeuse, c'est juste une autre marque, mais il n'y a rien qui change, c'est la même, quoi. Après, il n'y a En rien fait, c'est d'autre le qui même change. principe, quoi. Oui, voilà. Donc, alors, ensuite, niveau, on voit des vaches. On voit plusieurs types de vaches. Alors là, par contre, j'ai vu ça. C'est énorme. La Coon The Primor. big Donc, mélangeuse, là, c'est pas une Coon. C'est mélangeuse. pas une Silo King. C'est une Coon. Donc, c'est une pailleuse. Mais elle est tellement énorme. Regardez ça. On peut mettre peut-être une, deux. Enfin, je sais pas combien de bottes on peut mettre, mais c'est vraiment énorme. Donc, j'ai vraiment hâte de la tester. Donc, c'est pas un truc porté. C'est une pailleuse. Ben, sur roue, quoi. Traînée, je veux dire. Voilà. Oh ben non, dans FS15 aussi c'était une traînée, c'est un mode qu'on avait une portée, c'est vrai. Ok, donc c'est une Primor 150, oui, 15 070 m. Ok. Donc hop, il met une botte. Regardez, la façon qu'il détache, c'est cool, je trouve. Enfin, il pourrait faire. Bah, c'est là, je parle de la façon comment ils ont tourné le trailer. Hein, genre, ils auraient pu me poser la botte et que comme ça, mais là, non, ça. Enfin, genre, ils le font proprement, je veux dire. Enfin, bref, voilà, c'est qu'un détail. Donc là, hop. En vrai, c'est bizarre. Regardez comment il paille, mais vraiment tout. Tout est paillé en fait. Donc ouais, ça peut être cool. Après, je sais pas si ce sera à nous de curer, mais ça peut être sympa. Après, je sais pas si les cochons qu'on voit là, ils broutent. Enfin, ils broutent, ouais, en gros, ils broutent, ouais. Mais dans des endroits précis, quoi. Alors que dans Farming 15, enfin, les vaches, elles broutaient là, elles broutaient là. Enfin, elles s'en foutaient, c'était aléatoire, quoi. Alors que là, je sais pas si elles broutent dans des flaques ou non, je crois que c'est aléatoire aussi, mais. Je pense que c'est aléatoire. Enfin bref, voilà. Oh, regardez comment il court. Oui. Donc là, on a un Man TGS. D'ailleurs, ça fait plaisir. On a des tracteurs. On a des camions. Mais pas américains. Ce qu'on avait vu dans le trailer précédent, c'était un camion américain qu'on avait vu. Et là, non. Ça va. C'est un camion français. Donc, ben, ça va. C'est Puis en cool. plus, je crois qu'il fait partie du DLC, du dernier DLC Gold Edition Possible. Parce que regardez les roues. de C'est pas les FS15. roues. C'est des roues. Enfin, pas des roues cross. Mais d'ailleurs, c'est pas des roues de route, on dirait.
Ouais, voilà. Yabou, Et allez. dire que Ouais. je crois que c'est le même camion que sur le Man Gold Edition. TGS, je sais pas. Faudrait jouer dans Farming. Voilà. Bon, capacité 21 ping. Donc, c'est aussi une. Qu'un 21 ping. Qu'un 21 pig. Donc, 21 cochons. Donc, c'est une grosse bétailière cette fois-ci. Donc voilà. Donc là, je pense qu'il va. Ah, ben là, du coup, ok, j'ai compris. Donc, en fait, la petite bétailière les a amenés. Et donc là, maintenant, il les prend. Ben, pour les vendre, je pense. Par contre, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi il lève. Je sais pas. Donc là, Ouais, ça, attendez. ouais, je pars. Donc là, on voit le menu du jeu. Attendez. Donc là, en fait. Ah, ouais, d'accord. Dans la ferme, il y a écrit il y a 37 cochons. Et il peut en charger 21. Donc là, il fait. Ah, donc en fait, soit on peut décharger, donc unload. Et soit on peut charger load. Ok. 3000 euros le cochon, quand même, c'est. Peu cher, quand même. Non, je sais pas combien ça trouve ça vaut, Cher le mais. cochon. Quand même, ouais, je crois que c'est assez cher pour un cochon. Après, dans la farming, les prix sont pas les mêmes, quoi. Donc voilà. Donc alors, du coup, il charge. Donc load, je pense, il fait. Et hop, voilà, il charge les 21. Et puis ensuite, je pense qu'il va les vendre. Voilà. Voilà. Bon, bah, je crois que le trailer est terminé. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Hein. Franchement, quand j'ai vu le premier trailer, j'étais un petit peu déçu niveau graphisme. Mais en fait, c'est en regardant les nouveautés. Niveau graphisme, ils n'ont pas fait non plus un truc extraordinaire. Mais c'est niveau des nouveautés qu'ils ont fait un truc. Regarde, niveau mon graphisme, ils ont fait. Niveau des Ah ombres et bah ils tout. l'ont dit, hein. Les nouveautés, Ils les l'ont dit cochons. qu'ils se consacreraient plus Ouais. sur le gameplay que Et regardez sur... les ombres. On voit les ombres et tout, ça c'est tellement bien fait. Enfin, voilà. Après, ça pourrait être bien que les cochons soient animés dans. Dans la bétaillère, il faut pas exagérer non plus. Hein, je. Voilà, franchement, je sais pas ce que. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous prouvez que vous êtes plus. Enfin, ça vous donne plus envie d'avoir le jeu que le trailer numéro 1. Là, franchement, ça donne vraiment envie de. Enfin, voilà, ça donne vraiment envie. C'est nous qui gérons tout. On peut les vendre et tout. Enfin, dans Farming aussi, on pouvait juste gérer. Mais là, c'est nouveau, donc on a en plus envie de tester. Voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Regardez les niveaux des ombres et tout, c'est tellement bien fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé ce trailer, franchement, si vous avez aimé, ben voilà. Si vous aimez pas, dites-moi ce que vous aimez pas. Peut-être que vous dites les cochons, vous aimez même pas. Voilà. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Starview. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo. Vous pouvez la partager avec vos potes. Hein, pour ceux qui, c'est la meilleure qui n'ont pas vu le trailer et qui s'intéressent à la farming. Voilà. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Starview Marlink. Et bien voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde! Allez, salut.